Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo jeu. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur un bon petit jeu. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de sortie ces derniers temps. Heureusement que là, les sorties vont arriver bientôt. Il y a Evil Dead que je vais faire une vidéo sur ma chaîne. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est Vampire Masquerade. Un jeu que j'attendais. Je suis pas un grand fan parce qu'à vrai dire, c'est un jeu qui est basé sur un jeu de rôle papier. Et donc, je ne connais pas trop énormément l'univers. C'est un peu comme Cyberpunk, il est basé sur un jeu de rôle papier. Mais j'avais vraiment envie de découvrir cet univers. Et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de tout connaître par cœur. Moi, le premier, je connais rien du tout sur l'univers. Mais il m'inspire énormément. Parce qu'à l'époque, j'avais joué, je crois que c'était Vampire Bloodlines sur PC, pour ceux qui connaissent. J'avais joué vaguement, j'avais trouvé ça excellent. Et du coup, bah, j'avais envie de tester le nouveau. Et du coup, je vais vous montrer. Et vous allez voir que vous n'avez pas besoin de tout connaître. Tout est résumé. Et super bien détaillé si vous avez vraiment le temps de tout lire. Parce que c'est un jeu qui parle beaucoup. Puisque on joue trois protagonistes, si je dis pas de bêtises. Parce que j'ai dû le tester 10 minutes. Et il y a de quoi faire si vous voulez vraiment vous intéresser au lore du jeu et de l'univers. Je vais vous montrer ça vraiment. Il y a de quoi lire en tout cas. Allez, on va lancer ça. Ça sort sur PC, PS4, PS5 et Xbox One. Donc ça sort un peu sur tous les supports. Et là, on est sur PlayStation 5. Allez, on va faire une nouvelle partie. C'est parti. Et le jeu se déroule à Boston. Une ville que j'aime énormément. Un code rouge vient d'être lancé. Synonyme de crise majeure. Emen, Lesha et Galeb sont convoqués par le prince. J'aime beaucoup tout ce qui entoure les vampires. Pour ceux qui ont connu Underworld, vous savez de quoi je parle. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Surtout que là, on va avoir droit à plusieurs choix vraiment très poussés, donc c'est plutôt sympa. Après, niveau graphisme, c'est pas un triple A, c'est pas la claque du siècle. Je trouve que les graphismes sont quand même vachement datés. J'ai pas encore fait les mises à jour, sachant que je joue en avant-première sur le jeu. À voir après avec les mises à jour si ça s'améliore, mais je vous avoue que sur PS5 ça pique un peu les yeux. C'est pas non plus horrible, horrible, mais les traits des visages des personnages sont assez, comment dire, rigides, froids, je sais pas. C'est bizarre. Je vous laisse profiter hein, de la cinématique comme d'habitude. Les factions vampires sont depuis longtemps à couteau tiré. Suite à une paire de conflits, Azali Versol, la nouvelle prince, a scellé un pacte fragile avec un groupe de mages du sang, connu sous le nom de Chantry d'Arford. Mais vous me direz dans les commentaires si vous connaissez très très bien cet univers et si j'ai dit des grosses bêtises et essayez de m'en apprendre un peu plus, c'est toujours cool. Cette alliance permettra au prince de contrôler le marché du sang. Le trafic de sang et de victimes mortelles qui assouvit les besoins de l'élite vampire. Ce soir, les vampires vont célébrer ce pacte. Nakon. Putain, vraiment, ça promet. Hein. Vraiment, s'il y a plusieurs fins, etc., ce que je pense peut-être, ça peut vraiment être chouette. Hein. Ça, j'adore. Moi, j'adore les jeux avec des choix, des conséquences et tout. C'est terrible. Tout est prêt. Que vois-tu? Si je dis pas de bêtises, il y a un jeu qui est sorti il y a pas longtemps que j'ai testé vite fait. Dans le même univers, c'est un jeu multijoueur, j'ai plus le nom en tête, qui est vachement cool. C'est des vampires contre des vampires et c'est une sorte de battle royale. Justement dans cet univers et c'est un gros lien je pense et ça je trouve ça super chouette, le jeu est vraiment génial. Je suis pas un grand fan des Battle Royale mais celui-là le fait comme je vous dis un peu à la Underworld et des vampires qui se tapent sur les toits et tout, c'est vraiment quelque chose avec des pouvoirs et tout, on peut finir ses adversaires en les mordant, ça j'ai adoré. Je le mettrai dans le titre, enfin, dans la description, le jeu en question, j'ai plus en tête. Mais en tout cas, il était vraiment cool. Ils arrivent. En tout cas, ça a l'air vraiment. L'ambiance a l'air vraiment super chouette. Hein. Après, comme je vous le dis, hein, moi, les graphismes, ça joue beaucoup. Mais moi, j'adore tout ce qui est vraiment l'ambiance. Je mets limite ça au-dessus des graphismes pour moi. Les champs. Combien de protagonistes on joue? Je crois que c'est 3 ou 4. Ouais, c'est 3. C'est bien ce que je pensais. Did you feel it too? Take your stuff.
Après, si vraiment il y en a qui ont vraiment du mal un peu à comprendre l'univers, j'essaierai de d'en apprendre encore plus et de vous faire une vidéo si vous voulez spécialement dédiée à l'univers. Ça peut être sympa. C'est le prince, il faut y aller. Ouais, comme il disait, c'est il y a le code rouge, ça veut dire que c'est vraiment très 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 important et je pense qu'il va y avoir une sacrée réunion chez le prince 23h. Après, en vrai, les personnages là par exemple, je sais plus son nom. Je crois qu'elle s'appelle Emmett, ouais. Ça n'aura rien à voir avec la soirée. Je trouve qu'il est vraiment bien fait. Vraiment, je le trouve super cool, super stylé. C'est celui qui est sur la boîte. Ami des mois pour le chantier d'Arford de Célénium. Ok. Code rouge. J'avoue que c'est bizarre. Il n'y a jamais eu de code rouge à Boston. Bordel, c'est forcément grave. Alors, ça va beaucoup, beaucoup parler dans le jeu. Hein, je tiens à préciser. Donc là, on a le droit à dialogue, compétences. En dialogue. Et c'est là où c'est un peu plus poussé que certains jeux. En dialogue, certaines réponses font appel à vos compétences. Votre niveau de compétence est confronté à celui de votre interlocuteur. Le meilleur des deux remporte l'opposition. Vous ne pouvez pas utiliser une compétence si son niveau est à zéro. Utiliser une compétence consomme des points de volonté. En cas de victoire de l'opposition, vous gagnez quelques points de volonté à la fin du dialogue. Du coup, là, on va lui répondre, elle n'a rien à se reprocher ou... Chaque chose en son temps. On va prendre plutôt ça. Donc là, on est au-dessus d'elle. Donc non, voilà, c'est un succès, c'est parfait. Tu n'y es pour rien. Ah, du coup, c'était elle la responsable de la soirée. Sauf que Jara est membre du primogène, pas moi. Et donc toi, vous voyez tous ces termes-là, technique, primogène, etc. Une harpie, bon, une harpie, je sais pas pour ce que c'est. De les faire... Même moi, je suis complètement perdu, mais vous inquiétez pas, tout est super bien expliqué dans le jeu, et ça, c'est vraiment un gros point fort. Passe en phase 2, on fait le grand ménage. Donc, on va lui poser la fameuse question, c'est quoi le code rouge? Donc, c'est pour en apprendre un peu plus sur le lore. Depuis la chute de Londres, ça ne rigole plus. Alors, ça va, ça fait 4 ans qu'il nous saoule avec ça. Ok. On n'a plus droit à Internet au smartphone. Il va limiter les risques. Donc là, on peut en apprendre vraiment un peu plus. Attention, nous sommes tous en danger. Tout le monde court se cacher dans la banque. Nous, c'est chez le prince. On aurait pu trouver pire. Ah, c'est pas mal en vrai, le prince. Si je dis pas de bêtises, c'est le plus haut. Enfin, pas le plus haut grade, mais c'est là où. C'est un des plus hauts au poste. Voilà ce que je voulais dire. Donc là, on va lui demander ce que c'est le grand ménage, on va essayer d'en apprendre un peu plus. Qu'est-ce que tu entends par grand ménage? On supprime nos archives, nos documents, tout ce qui peut nous relier les uns aux autres. Ok. Passons. Allez, on va continuer. Après la phase 2, il y a quoi? Prie pour qu'on n'en arrive jamais là. Vas-y, envoie. On fuit, on les sous derrière nous et on part se cacher le plus loin possible. Ouais, c'est une sorte d'exil en fait. Hein. Y a pas moins que je quitte Boston. J'ai mis une pour moi. J'avoue que ça doit être galère pour elle. T'auras pas le choix. Je sais que tu détestes venir ici, ça va aller. Je sais me tenir. Oui, je sais. Bon, tu gardes quand même et ça va le faire. Allez. Du coup, on a une récompense de dialogue, c'est plutôt cool, on augmente de plus 1. Mes chéris, vous voilà enfin. Du coup, qu'est-ce qu'elle nous veut? Elle dit qu'il vous soit arrivé quelque chose. N'en fais pas trop non plus, April. Donc là, on peut en apprendre plus. Je vais vous montrer juste après. Hein. Je te conseille de ne pas perdre ton temps. Quant à toi, j'en ai quelqu'un à déclencher un code rouge. Oula, ça sent... vraiment, le code rouge, c'est vraiment le truc le plus important, je pense. Hein. Je n'en serai pas pour responsable.
Donc voilà, on a un autre dialogue. Alors, discipline. Les vampires possèdent des capacités surnaturelles, généralement héritées de leur clan d'origine. Les disciples. Disciplines, pardon. Certaines disciplines sont utilisables. Ok. La faim. Utiliser une discipline génère de la faim. La faim possède une valeur que vous ne pouvez pas dépasser. Cela limite. Ah, ok, d'accord. Donc là, si on flatte, on a. Bah, en fait, on perd, quoi. On n'a aucun succès. Là, on va échouer. Littéralement, on va échouer. Et là, on peut essayer de la soutenir. Et en fait, on n'a pas le choix, on doit la flatter. Ok, on va la flatter. Donc là, comme on s'y attendait, on aura l'échec. Tu m'as appris la vraie temps, personne ne pouvait lever le petit doigt sans que tu le saches. C'est pas bon, ça. C'est pas très très cool, hein. C'est pas très très cool de sa part, mais bon. Elle a pas totalement tort, on va rester à notre place pour l'instant. Ouais, je pense que notre amie va en prendre plein la gueule parce que, comme elle l'a dit, c'était elle la responsable de la soirée et ça va mal se passer pour elle. Elle va se faire défoncer. Azel veut te voir. Ok. Ouais, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, hein, je me répète, mais il y a beaucoup de noms. Azel, il y a plein de termes de personnages que j'ai jamais entendus de toute ma vie. Donc là, putain, d'un côté, c'est joli en vrai, c'est pas dégueulasse. Les décors sont plutôt cool et tout. Après, il est un petit peu daté quand même, mais bon, j'ai l'impression. Mademoiselle Louis, après l'ambiance, elle est là, quoi. Elle est vachement bien habillée, elle est stylée. J'aime beaucoup ce personnage, je le trouve vraiment charismatique, stylé. Du coup, je vais vous montrer ce que je vous parlais tout à l'heure, si vraiment vous voulez en apprendre plus sur le jeu. Donc là, vous avez le codex, ses détails expliquent de nombreuses notions du jeu et du monde des ténèbres que vous rencontrerez, etc. Donc là, vous dites, oh, on n'a que les clans sectes. Et ouais, non, 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 vous n'avez pas que ça. Hein. Quand vous cliquez sur clan, vous avez l'entièreté de tous les clans. En fait, vous. Vraiment vous expliquer un peu l'histoire, ce que j'ai un peu lu tout à l'heure. En gros, il y a 13 clans. Ils n'ont pas les mêmes. Par exemple, attendez, je vais monter. Par exemple, les Brujas, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est le clan des philosophes Kanaï. Vous pouvez les lire, hein, franchement. Vraiment, il y a de quoi faire. Hein, le jeu, vraiment, il est généreux là-dessus. Je trouve ça plutôt bien. Un jeu bien rempli, avec un sacré lore. On a les 100 clans, on a les Kangrel, on a. C'est des loups, les animaux, les. An... Non, les loups. Les animaux, les sauvages. Une femme plus vieille que. Il y a les toréadors, c'est le clan de la rose, les divas, les trémères, les usurpateurs, les sorciers, les ventru, je sais pas comment on peut dire, le clan des rois, les sang-bleus. Il y a les sectes, il y a les termes. Par exemple, tout à l'heure, on a entendu. Je crois que c'était quoi qu'on a entendu tout à l'heure? Attends, je vais vous montrer. Par exemple, la mascarade, c'est ce qu'on avait lu au début, c'était. L'organisation qui cache l'existence des vampires aux mortels et que celui qui enfreint cette règle est puni de mort, c'est ce qu'on avait lu tout à l'heure. Franchement, il y a vraiment de quoi faire hein, dans le jeu. Hein. Je pense que limite, vous pouvez passer une bonne quarantaine de minutes à tout bien lire et essayer de tout comprendre, et je trouve ça plutôt sympa. Donc, la Caméra, ça fait partie des plus grosses sectes. Donc, vous avez les princes qu'on va aller voir. C'est un vampire qui a déclaré tout un domaine, généralement une ville. Donc, là, en l'occurrence, c'est Boston. Ensuite, on a les primogènes, vous savez, c'est le terme qu'on a entendu tout à l'heure dans l'ascenseur, et que je vous disais, vous inquiétez pas, je vais vous dire ce que c'est. Les primogènes, qu'est-ce que c'est? C'est le conseil des primogènes, les représentants des factions principales de la Camarilla des alentours. C'est un peu en dessous, si vous voulez, du prince, c'est un peu un conseil, ouais, comme il le dit, c'est un conseil en gros. Qu'ils soient anciens des divers clans, ils font partie des anciens, enfin, c'est des anciens de divers clans, ou ceux qui détenant les plus grands terrains de chasse. Ils s'adressent directement au prince qui a généralement intérêt à écouter leur avis. Plus d'un seigneur a été renversé par son propre conseil. C'est intéressant. Vraiment, il y a de quoi faire dans le jeu et ça, on ne peut pas leur reprocher. Après, vous avez le droit aux talents. Donc, les talents renforcent vos capacités. Chaque talent est lié à une action précise représentant. Répéter ces actions débloque progressivement. Oula, j'ai du mal. Les paliers d'un talent. Donc, là, vous pouvez voir, il y a la menaçant, il y a éloquent, la mari. En fait, il y a tout ce qui fait d'un bon RPG, on va pas se mentir. C'est plutôt complet le jeu. On a le menu des traits, donc les traits très classiques dans les jeux. C'est la faim pour notre personnage. Le niveau de faim, s'il est faible ou élevé, confère des traits.
temporaire qui affecte les passagers. En fait, il faut vraiment tout regarder dans le jeu. Il y a la suspicion, à mesure qu'il augmente, le score de suspicion provoque de plus en plus d'être négatif. C'est pas très très bien, c'est plutôt le mal. Si je dis pas de bêtises, les... donc il y a pas mal quoi. Donc là, on a le droit à Boston. Donc ça, c'est nos trois personnages qu'on va jouer. Donc on a la biographie de notre personnage, la fiche perso, avec tout ce qu'il y a à savoir sur elle, de sa naissance à, quand vous voyez marqué date de l'étreinte, c'est, si je dis pas de bêtises, hein, peut-être vous me direz dans les commentaires, mais c'est, ça on peut le lire, hein. Dans le codex on peut le lire, mais c'est là où elle s'est fait mordre, où elle est devenue vampire, donc c'est la date à laquelle elle est devenue un vampire. Le clan Toréador, on peut le revoir tout à, comme tout à l'heure, le clan Toréador, c'est le clan de la Rose, les divas, vous pouvez lire. Hein. Donc on a nos trois personnages, donc Emmett Louis, celle que je joue actuellement, on a... Galeb Bazori, c'est celui qui était en train de se faire sucer son sang et qui a reçu un appel du prince et qui a demandé de se rendre immédiatement voir le prince. Lui, son rôle, je crois que c'est protecteur de la Camarilla. Donc c'est le, c'est un bon, ça doit être un sacré personnage. Attendez, je vais voir ce que c'est. Voilà, c'est la Camarilla. C'est une des grandes sectes de Boston, si je dis pas de bêtises, et l'anarche. C'est une... bah, je crois que c'est la seule secte la plus puissante de Boston, en fait, la Camarilla. Et donc, on a le protecteur à jouer Galeb Bazori. Et on a Lesha, c'est celle qui avait jeté l'espèce de morceau de papier dans la poubelle au tout début. Qu'on a vu même pas 10 secondes. Et elle fait partie du clan Malkavien. Je sais plus c'est quel clan. Et donc, elle, vous avez toute son histoire. Franchement, il y a de quoi lire. Allez, on va continuer un petit peu. Sinon, vraiment, je pourrais passer des heures à tout lire parce que c'est super intéressant. J'adore lire, moi, dans les jeux pour en apprendre plus sur l'univers et encore plus m'immerger dedans. Et avec ce jeu, je suis complètement servi. Après, ouais, les personnages, c'est vrai que... Je dis que les graphismes ça fait pas tout, mais ça casse un peu l'ambiance des fois au niveau de la barbe et tout, après à voir s'ils vont faire des patchs le jour de la sortie. Donc là on peut regarder directement dans le codex, si j'ai pas de bêtises, non pas encore. Dajan Siaka, un sorcier Tremere. Tremere ça fait partie d'un des clans. Très simple, regarde. Donc voilà, c'est lui qui a l'aide Bazori. Il fait grave flipper en tout cas. Alors, c'est normal que la course soit aussi vite. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre? On pourrait répondre, nous sommes plus nombreux d'ordinaire. Tout le monde aurait dû être à la soirée ou elle parle trop. C'est un peu méchant, mais on va lui dire, nous sommes plus nombreux d'ordinaire. On va lui répondre ça. Il y a bien plus de monde en temps normal. C'est à cause du code rouge. Oui et non, nous devons tous être à la soirée. Mais tant que nous serons en code rouge, personne ne bouge. Je me demande pourquoi il y a un code rouge. Alors lui, ça serait le numéro 2 de la sécurité. Il ne va pas chômer cette nuit. Alors lui, c'est un Nosferatus, soit durement marqué. C'est ceux qui ont vraiment un aspect vampirique, mais plus marqué que les autres, je crois. Il faudrait que je relis, en fait, ce que c'est. De main fantée. Vous voyez, ces genres de termes-là, main fantée, tout ça, ça me perd. Donc après, on peut au pire aller regarder. Attendez, je vais voir si je peux mettre le codex. Non, faut vraiment que j'attende. Et lui, c'est votre enfant. Monsieur Beryl Underwood. En tout cas, ce perso, il a l'air vraiment stylé. C'est un requin de la finance. C'est l'un des membres du primogène. Ah bah voilà. En fait, c'est un des membres de la primogène. Donc il est juste en dessous le prince. Il fait partie du conseil qui s'adresse directement au prince. Si, je ne dis pas de conneries, mais c'est ça. C'est l'un des membres du primogène, on va dire ça. Faut se méfier de lui. Hein. Le contre-pouvoir. Ils ont soutenu Hazel quand elle a pris le pouvoir après. Ok, d'accord. On en apprend un peu plus, là. Ouais, voilà, la course, c'est un échec. Nous sommes des monstres, alors si tu n'es pas envie d'être un pion... Sacrifie, agis en conséquence.
C'est vraiment un monde de requins en fait. Tu te rends compte que nous sommes chez le prince. Il ne peut rien t'arriver. En gros, c'est vraiment un monde où il y a des coups bas à droite, à gauche, et vraiment ça promet. Vraiment, s'ils ont réussi à faire des bons dialogues, des bons choix, des choix qui peuvent vraiment tout changer, il y a de quoi vraiment avoir des retournements de situation. Oula, ça commence un peu à gueuler là. Alors, lui s'y prend en fait justement à son ami que elle a entre guillemets défendu, qui était avec nous dans l'ascenseur et qui justement organisait la soirée. Et personne n'arrivera à. J'en ai pas, ok. Emmanuel, au lieu de gâcher ta salive, ok. Il est un peu cold. Nous sommes tous coincés ici. Ah, dû au code rouge, en fait, justement. Gentil toutou. Tu ne changeras donc jamais. Oula, oula, oula. Il serait temps qu'elle grandisse. Laisse-nous. Oula, oula, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Je n'ai pas besoin de ton aide. Même, s'il te plaît, arrête de m'appeler comme ça. J'étais inquiète pour toi. T'as toujours pas passé autre chose, toi. Tu peux pas t'empêcher d'être dans mes pattes. Baisse un ton, on nous regarde. Alors, dialogue, concentration. La concentration vous permet d'augmenter temporairement l'un. Pardon, tempérament d'un ou deux niveaux, l'une de vos compétences. Ok, d'accord. Donc là, on va pouvoir améliorer une des deux compétences. Alors, j'ai pas très très bien compris. Donc, si je dis pas de bêtises. Alors. En cas d'égalité, d'accord, je peux être influencé par. J'essaie de comprendre, hein. C'est un petit peu complexe, j'ai jamais vu ça dans d'autres jeux avec des choix, je trouve que c'est un peu plus poussé, j'ai l'impression. Donc là, on a plus de chances de réussir, là non. Ok, donc là. En fait, je peux choisir le nombre de points que je vais mettre. En gros, en fait, quand je dirige l'analogue, je peux mettre le choix. En gros, là, c'est sûr que je vais me faire bouffer parce que Emmett, c'est moi et la meuf, elle a 2. Donc, de 1, c'est elle qui gagne. Et je vais avoir le choix d'augmenter là. Donc, de 2, il peut y avoir égalité, mais le succès, il est de 30%. Donc, est-ce que c'est un peu comme jouer au poker en fait. C'est quitte ou double. Et je peux augmenter de 3, mais regardez juste en haut au niveau du bleu. Ça me baisse en fait quand je monte. Ça me fait descendre mes points de bleu. Donc, est-ce que j'ai une chance de gagner à 100%? Ou est-ce que je joue la carte de 30%? On va augmenter, on va mettre qu'on va gagner, comme ça on sera tranquille. On va lui mettre, elle sait quelque chose sur le code rouge. Donc là, normalement. Ah putain, elle a mis un plus 1. Donc là, ça va être chaud pour moi, à succès 30%, égalité. Qui va gagner le dé? Ah, échec, putain. Dégoûté. Bon, c'est pas grave. Votre sœur a également la possibilité de se concentrer. Ah, eux aussi peuvent le faire, putain. Ça va être un peu plus compliqué. Tu sais ce que c'est le code rouge? Tu es au primogène, tu dois bien savoir quelque chose. J'ai bien peur. Ça viendrait d'une goutte de Moore, mais je n'en sais pas plus. Ça nous apprend pas beaucoup. Jason Moore, tu ne te souviens pas? C'est l'humain qui administre nos biens quand le jour se lève. Il gère nos actifs, il va au rendez-vous des banques. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Figure-toi que Madame Hazel Iverson, le puissant prince de Boston, refuse de s'entretenir avec le primogène. Oula, 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 oula. Ça va un peu vite pour moi, là? Comme si elle a demandé à me voir. Tu sais pourquoi? Ça sent pas bon d'un côté. J'imagine qu'elle aimerait s'entretenir avec toi à propos de journée. Journée. Je t'ai dit que cette fille t'attirait des ennuis. C'est ça. Il faut que j'y aille. Donc. Là, ça fait. Hazel doit être à l'étage, je ferais mieux de me dépêcher. Donc là, on va regarder vite fait les personnages pour essayer de comprendre, puisque je n'avais pas avancé autant. Donc on va aller dans Boston directement. Donc on a April. Du coup, c'est celle qui nous a accueillis à l'ascenseur. Le lien, d'accord. Date, ok. Et on a appris elle. Enfin, lui. Lui, c'est le sorcier, membre du conseil du primogène. Et du coup, elle, c'était quoi déjà? Premier harpie. Mais c'est quoi une harpie? Je vais regarder parce que j'avais vraiment un doute. Comme ça, on va regarder ensemble.
Une harpie, une harpie, une harpie, une harpie. Du coup, une goule, on sait ce que c'est, non? Un mortel qui boit le sang d'un vampire de. D'accord. Mais une harpie, peut-être que je passe à côté. Putain, je vois. Soit je suis bigleux ou soit je suis con. Bon, je sais pas trop ce que c'est une harpie. Vous me direz dans les commentaires si vous savez ou si je suis passé totalement à côté. C'est possible. C'est pas très 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 grave. C'est pas très très grave. Et l'autre personnage qu'on a dévoilé, du coup, c'était elle. Et elle, elle est membre du conseil primogène. D'accord, ok. J'ai approximativement tout compris pour l'instant. J'ai encore quelques notions à réviser, mais ça devrait le faire. Du coup, là, faut que je passe à l'étage. Navré, ce n'est pas possible. Ok, d'accord. Ils tirent tous de ses têtes. On va essayer de parler avec ce personnage. Je vous ai dit, hein, ça va vraiment être beaucoup, beaucoup de dialogue. Que c'est-elle à propos du code rouge? On va lui poser la question. Tu sais ce qui se passe? Je suis désolé, mais je ne peux pas. S'il te plaît, j'ai l'impression de débarquer au milieu d'un champ de mine. J'aime pas trop, moi aussi. Il y a des rumeurs sur Journey comme quoi ce serait de sa faute. Tu savais que j'étais responsable. Et merde, à tous les coups, ça va lui retomber dessus. Putain, je doute qu'elle soit mouillée, mais mieux vaut rester prudent. Ok. Elle est gentille, elle nous a plutôt avertis, mais je vous avoue que être un peu dans le flou, ça pose un peu problème. Donc, journée. J'arrive pas à voir c'est qui le personnage journée. Soit je suis bête. Quand il y a beaucoup, beaucoup de prénoms comme ça, j'aime bien noter tout sur un petit calepin, c'est plus simple. Donc, je crois que pour avancer, c'est peut-être par là. Espérant qu'il va me laisser passer. Vous ne pouvez pas passer. Bah, ok, mais. Je passe à l'étage. Peut-être parler avec lui. Tu crois que c'est un membre aussi du conseil? Eh, mais. Ça faisait longtemps que nous ne t'avions pas vu ici. Dis-moi. C'est à cause du code rouge. On va lui demander. Je ne suis là qu'à cause de ce foutu code rouge. Toujours aussi direct. J'avoue que lui, il fait quand même grave flipper. Avec un peu de chance, ton supplice sera bientôt fini. Tes affaires se portent bien. Pourquoi tu cherches à investir? Ne me tente pas. Parce que comme c'est un peu un génie de la finance. Ah non, lui, ça va être tellement dur de faire de la rhétorique. Parce que même en augmentant au maximum, j'userai en gros tous mes points bleus. Donc mes clems ne sont pas assez rentables pour lui. On va lui dire ça. Que tu dépenses un cent dans mes clubs. Il ne rapporte pas assez pour toi, Beryl. Effectivement, il ne m'intéresse pas. Ok, bon, ça, comme ça, c'est dit. J'attends Galeb. Ok. Galeb, du coup. Je vais beaucoup faire d'aller-retour dans le menu pour essayer de me. Voilà, Galeb, c'est le chef de la. Le protecteur de la Camarilla. Hein. C'est pas le chef de la sécurité. Parce que le chef de la sécurité, c'était. Le personnage un peu morbide qu'on a vu tout à l'heure. Mais je sais pas comment je passe à l'étage. Merde, tu comptes peut-être avec l'ascenseur. Ouais, je pense à l'hôtel ascenseur. On va aller à l'ascenseur tranquillement. Se rendre à l'étage. En tout cas, il y a beaucoup de choses à savoir, mais ça devrait le faire. Quelle soirée de merde. Tu peux le dire, Azel doit être Furax. Elle peut bien me vouloir. Je pense qu'on va se faire disputer puissance 10. En espérant qu'on n'en prenne pas trop dans la gueule. Oula, c'est quoi ce truc un peu psychique là? C'est grave bizarre. Hein. Il y a beaucoup de surnaturel aussi dans cet univers-là. Hein. Bah, vous vous en doutez avec les vampires et tout, les ghouls, etc., les harpies. Moi, j'aimerais beaucoup un jour tester le jeu de rôle papier. Enfin, le jeu de papier, ça peut vraiment être super sympa. J'ai pas eu la chance d'en tester beaucoup. J'aurais voulu aussi tester Cyberpunk, voir ce que ça donnait.
Moi, je suis tellement passionné par cet univers, j'adore ça. En tout cas, c'était vraiment bizarre cette espèce de vision dans une espèce d'asile psychiatrique. Mais en tout cas, ça donne envie. Donc là, on va jouer un autre personnage, Leisha, au cœur instable. Ça va, maman? Tu pensais à quoi? Rien plus. Qu'est-ce que tu disais? Tu as encore vu les images? Ouais, là, des. Tu n'as pas retourné à l'institut, hein? L'institut. Donc, l'institut. L'institut. Les descendants doivent se fondre parmi les mortels. Certains Malkaviens pensent qu'il leur faut se soigner pour y parvenir, amoindrir leur délire qui les rend trop voyants. L'ancien prince de Boston, Quentin Quink, a créé un asile pour les membres de son clan. Dans ce but, l'institut. D'accord. Et du coup, elle fait partie de ce clan. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un Malkavien, du coup, elle fait partie de ce clan. Il y a là des visions. D'accord, ok. Je vais rester avec toi maintenant. J'aime pas quand Richard t'envoie là-bas. C'est mon psychiatre. Il me soigne pour que je puisse être avec toi. Maman a des petits problèmes, tu te souviens? Je vois des choses qui ne sont pas encore passées et j'en oublie d'autres. Ah, c'est stylé son pouvoir. Et tu veux rester en sommeil pour te reposer toute seule parfois. D'accord, mais là, 3 ans, c'était trop long. Elle m'a tellement manqué, on ne se séparera plus. On va lui dire qu'on se séparera plus, ça sera beaucoup plus simple. Mais maintenant, on sera ensemble pour toujours. On sera inséparables. Comme les doigts de la main, c'est mignon. Ouais, exactement. Alors, je suis désolé, à chaque fois, ça peut vous paraître chiant, mais j'essaye de, à la fois de profiter du jeu, mais aussi profiter de savoir qui est Arless. Bon, Arless, en l'occurrence, c'est un enfant vampire. Et c'est aussi notre fille. Donc, c'est bien aussi de faire des petites pauses de temps en temps pour lire, au lieu de tout bouffer d'un coup, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Hein. Une histoire, pourquoi tout le monde a l'air énervé? Il se passe quelque chose de grave. Puis croiser Richard. Qui est Richard? Pour qu'il m'explique, mais impossible de le trouver. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On m'a dit d'attendre ici qu'Hazel veut nous voir. Ok. Les grandes personnes vont arriver et maman doit leur parler. Alors je vais me cacher parce que les grands, ils parlent toujours trop. Tu restes pas loin. Ok. Ah ouais, stylé de ouf. Putain, c'est grave classe. Putain, ça serait un pouvoir de ouf à avoir dans la vraie vie. Hein. Leisha, ça faisait longtemps. Bonsoir, Emmett. Amen. Donc là, on a nos trois protagonistes qu'on va jouer. Bon, on va savoir c'est qui ce putain de Hazel. Je crois que c'est le prince, hein, non? Prince de Boston. Voilà, c'est elle. C'est bien ce que je pensais. Donc c'est le prince de Boston et elle fait partie du clan Ventrue. Ventrue, je crois que c'était le même clan que. Pas un qui faisait. Ah, voilà. Que Bazori. Donc son protecteur. Et du coup, Hazel, en gros. Ça c'est l'étreinte, toute la vengeance. Oh, il y a... oh, y a de quoi lire sur sur sa biographie. Mais en gros, c'est le prince de Boston. C'est le personnage, un des personnages les plus importants de l'histoire. Ça ou qu'elle a toujours le sens du drama. Ça ou qu'elle a toujours. Emmett ne réalise pas à quel point c'est grave. Elle doit. Je vais lui dire qu'elle doit plus de respect au prince. Je sais que tu la connaissais avant, mais elle est à la tête de Boston. Tu lui dois le respect devant tout et toutes circonstances. Elle est ton prince. On va lui mettre un coup de pression direct. Tu me fais la morale? D'abord Siaka, maintenant toi. Pourquoi personne ne me lâche ce soir? Peut-être que tu l'as cherché. Ou peut-être que si tu as adapté ton comportement aux circonstances au lieu où nous sommes. Tu comprendrais mieux pourquoi tout le monde est si fébrile. Ah c'est stylé en fait on vraiment on entre je sais pas comment dire on entre les plusieurs personnages. Putain, j'ai du mal à parler. En fait on switch vraiment entre plusieurs personnages et ça je trouve ça plutôt cool. On se répond un peu à nous-mêmes en fait. Et là on peut lui rentrer directement dans la gueule et lui dire il n'a pas de leçon à me donner
Où Tajan m'a cherché. Tajan, je crois que c'est le sorcier. Vous savez, je vais vous montrer. Tout à l'heure, c'est le sorcier qui nous a un peu cassé. Un peu casser les couilles dans le hall. Donc on va lui dire ça. Si Aka m'a sauté à la gorge, j'aurais dû accepter qu'il se défoule sur moi. Non, désolé, les choses marchent pas comme ça, Bazori. Nous devons tous garder notre calme et accepter toute l'aide que l'on pourra trouver. Même les plus étranges. D'accord. Je pars d'un sang bleu. Un sang bleu. Ah, ok, les sangs bleus, c'est son clan. Ok. D'habitude, vos héritiers sont des prophéties d'enfants de. Ok, tu ne sais pas ce que tu dis. Je veux que ce dis, ça peu importe le problème. Ah, ouais, là, lui, on fout plein la gueule par rapport à ses visions. Et là, on va lui dire, cette fois, c'est différent. Emmett peut penser ce qu'elle veut, ça m'est égal. On va lui dire, cette fois, c'est différent. On est tous en danger. On va lui dire ça. Amorai, j'ai aussi comme une menace partout, tout autour de nous. Ok, je n'ai jamais ressenti ça avant. Explique-toi. Comme si nous allons tous disparaître dans le chaos. Ça sent pas bon, ça. Et tu as certainement raison. C'est peut-être Hazel et son sens du drama. L'avenir nous le dira. Ils font flipper de ouf avec leur masque. Mesdames, messieurs, le prince est disposé à vous recevoir. Donc là, on va en apprendre un peu plus. Emmett Louis, du coup, c'est Étoile Insoumise, la diva qui illumine les nuits de Boston. Ouais, je pense qu'elle doit gérer des espèces de clubs, de boîtes de nuit, etc. Mais faire entrer la lumière dans un monde de ténèbres est périlleux. Emmett le sait, et elle s'en moque. Donc, sélection du profil. Enquêté, touche à tout, vétéran, libre. Profil orienté vers les connaissances et les compétences permet de s'infiltrer, extorquer ou dérober des informations. D'accord. Mais je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on continuera peut-être dans une prochaine vidéo. C'était vraiment une vidéo de découverte. Je sais que ça parle beaucoup. Même moi, à certains moments, vous avez dû le voir dans la vidéo, je suis complètement paumé avec les noms des personnages, les termes techniques, etc. Je pense que c'est normal. Il faut encore que je relise pas mal d'informations pour que ça rentre dans mon cerveau. Mais sinon, super bonne ambiance. Franchement, agréablement surpris du jeu. Vraiment, c'est pas le jeu de l'année que j'attendais le plus. Mais en tout cas, même si niveau graphisme, je suis quand même au niveau des visages, c'est un peu trop rigide selon moi. Mais sinon, pour le reste, il n'y a rien à dire. L'ambiance, elle est là. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que nous réserve le prince. Donc, voir ce que c'est le code rouge, voir ce qui va tout chambouler dans la vie de nos petits vampires. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous!